L'objectif initial, c'était de trouver un lieu pour regrouper toutes nos équipes parisiennes. Parce que l'atelier, en fait, d'abord, c'est une localisation extrêmement centrale, à deux pas de la gare Saint-Lazare. C'est un immeuble qui est issu du patrimoine Orange, patrimoine qu'on a acquis au début des années 2000, et qui a profondément changé la nature et l'histoire de Covivio. L'atelier, c'est aussi une vitrine, clairement, de notre savoir-faire de restructuration urbaine. Alors l'atelier sera quoi pour les collaborateurs de Covivio? Ce sera un lieu où ils se retrouveront, où il y aura beaucoup plus d'espace collaboratif que d'espace de bureau classique. C'est un lieu qui sera ouvert sur l'extérieur puisque dans l'atelier, on aura intégré un Wellio qui accueillera des entreprises tierces qui pourront également vivre dans cet immeuble. Et c'est un lieu dans lequel en fait on intègre l'ensemble des besoins des bureaux de demain avec des services de qualité, d'abord une restauration de qualité, avec un espace fitness, avec des espaces collaboratifs, notamment un espace event, avec beaucoup d'espaces extérieurs, un rooftop qui donne une vue complète sur tout Paris, donc un lieu où l'ensemble des équipes de Covivio auront plaisir, je suis certain, à travailler et à se retrouver. Clairement, c'est une nouvelle manière de vivre au bureau. Et ça, tous les collaborateurs de Covivio vont pouvoir en bénéficier, non seulement les Parisiens, mais aussi toutes les équipes françaises, parce qu'on va avoir les espaces pour les accueillir individuellement, mais aussi collectivement. Puis évidemment, ça vaut pour nos collègues en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Luxembourg. Et clairement, l'atelier, c'est le siège européen de Covivio. L'atelier va nous permettre de franchir un cap en matière de management hybride et le niveau d'équipement IT qu'on a prévu sur l'atelier va nous permettre d'aller plus loin et de donner là aussi plus de fluidité. Le télétravail, c'est un incontournable aujourd'hui, mais je pense qu'on est tous conscients que ça réduit aussi le temps qu'on passe ensemble au bureau. L'atelier, l'objectif, c'est de potentialiser ce temps collectif et de faire en sorte qu'on reste des équipes en cohésion et performante. Le collectif, en effet, c'est clé pour nous, mais il est indispensable qu'on se retrouve ensemble pour pouvoir échanger, construire et construire l'avenir de Covivio et le faire dans ce lieu, ouvert, sur l'extérieur, sur la ville. Ça me paraît, en tout cas, une très bonne base de travail. C'est un superbe projet collectif, on y revient, et collectif pour toutes les équipes de Covivio. Dans ce projet de l'atelier, bien sûr, les équipes de développement ont été largement impliquées, les équipes de design thinking, les équipes d'expérience client, les équipes Wellio, les équipes de gestion immobilière, les équipes de smart building, puisque cet immeuble, en fait, il regroupe toutes les compétences, tout le savoir-faire de Covivio, qu'on a mis au service, bien sûr, des équipes de Covivio, mais surtout, on veut que ça soit une vitrine pour l'extérieur, pour nos futurs clients, puisque nos futurs clients, ils vont venir dans l'atelier et on veut leur démontrer l'offre, le produit qu'on est capable de leur donner pour eux, pour demain.